villageoise, on a une annonce à vous faire. Nous allons raser votre village. Attendez. Pour en faire une usine. Donc, à la base, hors Covid, le projet, donc, c'était qu'on devait jouer la ferme Moussorski à Châteaubriand, donc écrit par Alain Pierre, monté, mis en scène par Florence Joubert. Dans ce cadre-là de cet accueil à Châteaubriand, avait été mis en place un accompagnement culturel dans les écoles de la Comcom. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens avec les classes. Bonjour, bienvenue au musée international de Pomme et d'art. C'était un projet théâtre sur le thème de l'histoire et l'imaginaire avec notre comédien Olivier Clenet et sur la base de quelques séances de théâtre d'impro, exercices, jeux de rôle. En tout, on a eu 9 séances et on a vu qu'il avait fallu quelques séances, 3-4 séances avant que les élèves s'approprient l'activité. Et depuis, on voit que l'écoute s'est installée, l'écoute entre eux, la confiance. Se faire confiance et faire confiance aux autres. Et l'imaginaire aussi a eu un petit peu du mal à sortir de leur tête. Et puis, on voit que c'est des enfants qui ont besoin de... et qui ont envie et qui savent très bien imaginer des choses. Pour l'instant, vous gérez super bien, bravo. Alors, globalement, le projet, c'était... Je leur ai dit dès le départ, moi, en 8 séances, je ne peux pas écrire, une pièce, ou aussi courte soit-elle, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps, en fait, d'écrire. Je n'avais pas ce temps-là. Donc, je suis parti plus sur des exercices d'improvisation. Et plus, je me suis dit, je vais les amener à comprendre que le théâtre, c'est un travail sur soi, mais c'est aussi un travail de groupe. Et comme là, j'ai les deux classes de ce matin, donc, qui sont Jean et Derval, on est dans des groupes de 25 à 27 élèves. Je me dis, il faut que tout le monde ait sa place. Donc comment faire pour que tout le monde puisse jouer sans que personne ne se sente exclu? Donc je suis parti sur des impros. Et des impros en disant, bon, ben, il y a un village et un événement majeur qui vient perturber la vie de ce village. Donc on a cherché à base d'improvisation, qu'est-ce qu'on peut amener comme élément déclencheur et tout ça. Et là, on commence tout juste à vraiment arriver à la partie écriture, mais il y a tout un travail de confiance, de les amener au jeu théâtral. On était parti sur imaginaire, histoire et imaginaire. Et en fait, les enfants sont à fond dans l'imaginaire tout le temps. Par contre, quand on leur demande de dévoiler leur imaginaire devant les autres, il y a beaucoup de freins, quoi. Donc le but de ces séances, c'est de faire sauter tous ces freins et de repartir de la base de « on dirait que je suis une sorcière, on dirait que je suis pilote d'avion », pour aller dans le jeu. Et après, à partir du jeu, arriver à construire comment on construit un imaginaire qui est dans sa tête à une représentation théâtrale, quoi. Les carottes sont cuites! Je suis une princesse! Pour la plupart, ils ne connaissaient pas le théâtre, pour la majorité. Donc ça a été une vraie découverte. Et puis, ils ont été intéressés par le projet. Ils se sont tout de suite mis dedans, ils se sont impliqués. Ils se sont ouverts aux autres, malgré qu'ils se connaissent depuis des années. Être face au regard des autres, se mettre un petit peu en danger en se dévoilant personnellement, c'est pas évident. Donc ils ont appris à se faire confiance les uns les autres, sans se juger aussi, ce qui est important. C'est intéressant de l'avoir fait surtout cette année, parce qu'on est dans une année particulière. On a vraiment beaucoup moins de possibilités de sortir à l'extérieur. Donc ça a permis aussi de faire venir les intervenants à l'école et donc de créer des activités au sein de l'école, puisqu'on est complètement bloqué sur les activités en dehors, que ce soit le cinéma ou le théâtre. Donc c'était intéressant de pouvoir ouvrir notre champ artistique et culturel au sein de l'école. Et aussi on voit des textures pas les mêmes, du scotch et tout ça. Donc voilà.
Le théâtre, ça sert... On peut parler sans avoir la honte, on peut se défouler, on peut dire pas non plus des gros mots, mais par exemple, oui, s'exprimer. On peut faire des choses que normalement, on ne pouvait pas faire de base. Oui, on a plutôt des surprises où certains élèves sont plutôt en retrait à l'école, dans la classe, on les entend peu. Et là, ils peuvent se dévoiler en atelier théâtre, donc on a parfois des belles surprises, ouais, c'est très intéressant. Il y a une vraie évolution, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc au niveau individuel, déjà sur s'exprimer devant le groupe, qui est très important, parce que les enfants sont en pleine construction. Le regard de l'autre, par exemple. Puis on a fait des jeux, que ce soit des jeux de voix, des jeux de corps. Au niveau du groupe aussi, travailler en groupe, réagir ensemble et réfléchir collectivement, en fait. Ce qui n'est pas forcément inné pour des enfants de CE2 ou de CM1. On a travaillé dans ce sens et entre la première et les séances actuelles, parce qu'on est plutôt sur la fin, il y a une vraie évolution, je trouve, notamment sur ce point-là, sur ce point du travail en groupe. C'est de votre faute ! Non, c'est de votre faute ! Ce qui est un peu plus compliqué, c'est aussi d'inventer, parce qu'il ne faut pas toujours dire la même chose et faut écouter les autres aussi. Pour être un bon comédien, déjà il faut de l'entraînement, il faut de l'écoute pour écouter. Et pour si on veut faire plus tard comédien, il faut déjà écouter ceux qui font déjà comédien professionnel ou pas professionnel mais déjà fort. Quand on écoute, en s'entraînant et sans avoir la honte en fait, c'est ça qui peut débloquer par exemple d'autres choses et ne pas avoir la honte. Comme par exemple à The Voice, t'as pas la honte et puis c'est un peu ça, sans que ça c'est plus dur, c'est différent. Ils sont dans un âge où ils se jugent beaucoup les uns les autres, ils ont beaucoup peur du regard des autres, ça va être la honte si je dis ça, comment ils vont... Et le fait de passer par un personnage les autorise en fait à beaucoup de choses. Et là, ils commencent à prendre plaisir à ça, quoi, de dire « Ah bah tiens, je joue une mémé, ma petite mémé, elle va pouvoir dire des bêtises. » J'ai bien aimé la mise en scène, parce que c'était assez drôle, surtout j'aimais bien mon personnage. Et j'étais une grand-mère assez folle. Quand on joue un rôle, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire tout autre chose de ce qu'on fait d'habitude. On continue. Et à un moment, ça va s'accélérer, ça va exploser. Vitesse 7. On travaille sur comment être à l'écoute, être en confiance avec quelqu'un d'autre. Alors l'écoute, c'est la base en théâtre et surtout en improvisation. Déjà, si on met 3 adultes à improviser, on se rend compte très vite qu'il y a des problèmes d'écoute. Donc une classe de 27, c'est primordial. Et par l'écoute, mais l'écoute, c'est aussi l'écoute visuelle, quoi. C'est-à-dire avoir un regard périphérique, je sais ce qui se passe là, je sais ce qui se passe là. Donc tous les exercices que je fais en amont, en échauffement, c'est vraiment pour ouvrir, quoi. Ouvrir le regard, ne pas être centré sur soi, mais sur vraiment les autres, sur le groupe. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais du tennis. Ouais, on lui laisse le temps de jouer au tennis. Je danse. Pour moi, le théâtre, ça sert à bouger notre corps et à apprendre des nouvelles choses. Moi, au théâtre, ce que j'aime bien, c'est de faire les choses. Tout à l'heure, j'ai fait la celle qui n'entendait rien. C'était marrant. C'est de jouer ensemble et de bien s'exprimer avec les élèves. Ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est les émotions. Je fais très attention toujours à ne pas coller des étiquettes dès le début. Parce que j'ai l'impression qu'on leur colle beaucoup de ces étiquettes-là au quotidien, à l'école. Il y a le perturbant, la bonne élève, celui qui était en l'air. Alors que dans les ateliers théâtre, ça peut être tout le contraire. C'est-à-dire que le très bon élève en classe peut être pas intéressant en théâtre. Et au contraire, le cancre en classe peut être un élément génial. Et ça prend du temps de repérer les énergies, d'amener les timides vers la lumière, canaliser ceux qui sont tout en haut pour essayer d'avoir un truc assez équilibré, quoi. C'est un autre média, ça pourrait être le sport, moi c'est le théâtre. Et comment, avec un autre média que la scolarité, on peut faire émerger des personnalités, révéler des caractères. Moi ce que j'aime bien, c'est que les plus timides, ils peuvent s'ouvrir aux autres. Parfois, quand il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qu'on ne connaît pas, ça peut nous aider à moins avoir le trac.
Je pense que ça, c'est un outil qui est valable pour les futurs adultes qui vont être. D'avoir confiance en soi, de dire oui, je peux prendre la parole en public sans être jugé. Et puis même si les gens me jugent, eh bien, j'ai des choses à dire. Et donc d'avoir une assise, d'avoir des outils aussi de comment gérer ma respiration, gérer ma voix, gérer mon regard. Il y a plein de métiers où on est amené à parler devant des gens et c'est toujours bien d'avoir cette petite trace de « Ah tiens, à l'école j'avais fait du théâtre, ça m'avait aidé à vaincre ma timidité, donc voilà, c'est toujours bien. » Eh bien, d'être comédien, bah oui, ça peut être bien. Si on veut faire rire les autres, c'est aussi pour s'amuser. En fait, c'est une question si on aime le théâtre, si ça nous un choc d'émotion qui pourrait nous aider, enfin, qu'on aimerait. Enfin, qu'on aime le théâtre, quoi. C'est un peu bizarre dit, mais voilà.